Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que il y a, d'une certaine façon, une forme de compétition entre la ville et l'État. Pourquoi ? Parce que la ville a des projets importants, mais ces projets prennent tout leur sens avec les projets de l'État. Donc, il y a toujours, même si les relations politiques, comme dans toutes les villes, ne sont pas toujours faciles, il y a malgré tout le partage d'une vision commune du développement de la ville. Nous avons ici un exemple qui est lié à François Hollande, donc au président de la République, qui a demandé qu'il y ait une réflexion pour transformer l'île de la Cité. Donc tout le monde pense que l'île de la Cité est un sanctuaire, est un lieu historique que l'on ne peut pas toucher. C'est vrai que l'île de la Cité, c'est le cœur du cœur. C'est le centre de Paris, mais c'est le centre de l'histoire de Paris, de l'Utèce. C'est à partir de l'île de la Cité que Paris est né. C'est aussi une pièce d'héritage, puisque l'île de la Cité est classée au patrimoine mondial, à l'UNESCO. Et pourtant, on peut transformer l'île de la Cité. Et je dirais même, on doit transformer l'île de la Cité. Car le président de la République a demandé que les institutions qui se trouvent sur l'île de la Cité, la cathédrale, l'hôpital, le palais de justice, le palais également de justice pour le commerce, mais aussi d'autres services publics, se trouvent sur l'île de la Cité. Et c'est l'ensemble de ces services publics qui doivent évoluer. Ils doivent évoluer de par leur confort, parce que beaucoup de personnes travaillent sur l'île de la Cité dans des conditions extrêmement mauvaises. Il faut améliorer ces conditions de travail, mais il faut aussi transformer l'accueil du citoyen dans ces institutions. Et il faut aussi apporter des espaces de commerce, de restaurants, des connexions plus fluides et plus simples avec les transports en commun. Et donc on a imaginé, évidemment, de ne pas toucher l'île de la Cité. C'est un trésor sacré. Mais plutôt de toucher le dessous de l'île de la Cité. Car le baron Haussmann, lorsqu'il a construit l'île de la Cité, en fait, il a aplani l'île de la Cité et sur cette surface, il a construit des bâtiments. Ces bâtiments ont donc des sous-sols, ont un socle. Et c'est dans ce socle que nous voulons creuser, installer tout un réseau pour relier les bâtiments qui existent au-dessus du sol. Et cette idée nous permet de créer des cours couvertes, nous permet aussi de relier le métro avec l'entrée du palais de justice, de traverser l'hôpital, d'aller jusqu'au pied de la cathédrale de Notre-Dame. Donc, nous allons créer 100 000 mètres carrés nouveaux qui sont des connexions entre les différentes institutions. L'idée aussi, c'est de partager la circulation avec les voitures, de la circulation avec les piétons. Et donc, nous allons créer une grande promenade piétonne pour aller de la cathédrale par le quai sud, en longeant la Seine, jusqu'au musée du Louvre. Donc ce sont des actions qui sont importantes, qui ne sont pas très visibles, mais qui permettent de faire vivre ensemble des monuments, des bâtiments qui sont aujourd'hui complètement séparés les uns des autres. Donc il faut mutualiser l'histoire, mutualiser le patrimoine, mutualiser l'espace public, afin que la ville soit une ville que l'on partage. N'est pas en fait un très grand territoire, mais la force de ce territoire, c'est qu'il y a un périmètre, c'est une île. Et donc, dans cette île, on va par exemple mettre à jour la partie de l'archéologie devant la cathédrale. Mais ce n'est pas un champ archéologique ouvert, c'est un sol de verre
qui va permettre de circuler au-dessus et aussi d'amener de la lumière naturelle en dessous. Nous allons ouvrir le mur le long des quais afin que les bateaux puissent arriver et que les touristes puissent visiter l'archéologie à partir de la Seine. Nous avons aussi l'idée de construire une coupole, comme le British Museum, par exemple, à Londres, c'est-à-dire de couvrir la cour, donc de donner à la préfecture de police plus d'espace, mais intérieur. Par contre, nous voulons ouvrir ici, entre la préfecture de police et ses bâtiments, nous voulons ouvrir avec un passage couvert. Il y a aujourd'hui un vide, c'est fermé. L'idée est simplement d'ouvrir. Nous imaginons aussi construire un peu comme un Crystal Palace, c'est-à-dire un bâtiment qui soit un marché aux fleurs et aux oiseaux, mais d'un type nouveau, plus important, qui permette aux Parisiens de venir acheter des graines, des plantes, du matériel pour le jardinage. Donc au cœur de la cité, on imagine avoir un espace finalement comme une serre, comme dans un jardin des plantes. On pense aussi restructurer le tribunal de commerce. Peut-être pour que le tribunal de commerce devienne une nouvelle mairie d'arrondissement, car à Paris, Anne Hidalgo a un projet important de fusionner le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième arrondissement, c'est-à-dire tous les arrondissements qui sont autour de l'île de la Cité. Peut-être on pourrait imaginer que la mairie commune de ces quatre arrondissements soit ici. On a une autre idée importante, c'est d'inverser l'entrée du palais de justice. C'est-à-dire que l'entrée du palais de justice ici soit une entrée pour le public, pour visiter la Sainte-Chapelle, qui est un chef-d'œuvre, pour découvrir la façade du palais de justice, pour visiter la conciergerie, là où Marie-Antoinette a été emprisonnée. Donc, plutôt une entrée culturelle. Et ici, d'installer l'entrée pour la justice. C'est une idée qui n'est pas nouvelle, c'est une idée qui est apparue à la fin du 19e siècle. Et donc, le palais de justice aurait deux entrées. Une entrée pour la justice, une entrée pour le public et l'hôpital. L'hôpital, c'est une grande discussion, car l'hôpital souhaite rester hôpital sur la partie nord, ici, mais ici, sur la partie sud, s'ouvrir sur la place, avoir des espaces de restauration, des espaces de congrès, d'une certaine façon, un lieu d'événement qui permette, en fait, de circuler du monument, du mémorial, ici, le long de la cathédrale, sur le sol de verre, au travers de l'hôpital, jusqu'au métro. On peut continuer comme ceci, traverser le palais de justice, arriver du côté de l'île de la Cité, de l'extrémité ouest de l'île de la Cité, place Dauphine, prendre le Pont Neuf et le Louvre, et tout de suite de l'autre côté. Donc c'est une nouvelle promenade dans Paris. C'est une promenade qui intéresse 14 millions de personnes par an. Car sur cette place, 14 millions de personnes viennent voir Notre-Dame. Ces 14 millions de personnes pourront aller à pied, au travers de l'île, au travers de l'architecture, de la cathédrale jusqu'au musée. Aujourd'hui, il y a quelques habitants ici, et quelques habitants ici. On veut transformer ces bâtiments qui sont des bureaux en logements. On veut aussi construire de nouveaux logements ici, ici, ici. Et donc on veut réintroduire des habitants, mais surtout on veut que l'espace public soit un espace fluide, c'est-à-dire que l'on puisse traverser l'île dans sa longueur et pas seulement de façon hachée, c'est-à-dire par séquence. On veut retrouver cette promenade le long de l'île. En fait, pendant le XXe siècle, tout le mouvement moderne a pensé que le sol était en fait une surface de séparation.
On a au-dessus du sol, on a les bâtiments. Le mouvement moderne, Le Corbusier, même soulève les bâtiments avec les pilotis, pose les bâtiments sur les pilotis, mais ne descend jamais, ne touche jamais le sol. L'idée, c'est que le bâtiment ait des racines. C'est-à-dire que le bâtiment ne soit pas un objet posé sur le sol, mais qu'au contraire, le bâtiment descende dans le sol. L'idée aussi, ce n'est pas d'habiter dans le sous-sol. L'idée, c'est que le sous-sol soit un lieu de ressources. C'est-à-dire que ça soit des racines pour nourrir les bâtiments. C'est-à-dire que, par exemple, ici, on va prolonger dans le sol le bâtiment. Donc on va trouver un ou deux niveaux dans le sol qui vont être éclairés naturellement, ventilés naturellement. Donc en fait, on augmente l'épaisseur du sol. L'idée n'est pas une idée utopique de dire pour vivre heureux, vivons sous la terre. Pas du tout, mais pas du tout. L'idée, c'est pour que la ville soit vivante, il faut qu'elle se nourrisse du dessous. C'est-à-dire que le dessous ne soit pas une poubelle, un endroit qu'on ne veut pas voir, mais plutôt que le dessous soit une surface ou une épaisseur que l'on peut activer pour mettre en relation les différents bâtiments entre eux, avec les transports en commun, avec aussi des usages comme des fermes urbaines. Pourquoi faire 200 km pour amener de la salade à Paris, alors qu'on pourrait cultiver ici ou là, dans le dessous, une partie des besoins que l'on a en termes d'agriculture. Donc le dessous, ce n'est pas un espace séparé du dessus, c'est un espace connecté avec le dessus. Mais il faut de la lumière naturelle, de l'espace et une épaisseur qui soit une épaisseur superficielle. C'est pour ça que je parle toujours d'épiderme. Il faut que l'épiderme de la ville redevienne actif et que cet épiderme nourrisse les bâtiments, la structure de la ville elle-même. Très intéressant de l'époque de Haussmann. En particulier, les sections sur les rues. Donc, évidemment, tous les services du préfet Haussmann dessinaient la section avec le bâtiment, la rue, le bâtiment et le dessous. Et donc, dans le dessous, il y avait l'électricité, les égouts, le métro, l'évacuation des fumées le long des bâtiments. Donc il y avait un système dessus, il y avait les trottoirs, les arbres, les bancs, parfait. C'est la coupe qui a été utilisée dans toutes les villes pour réaliser des rues, des places, pour réaliser un tissu urbain. Cependant, quand on analyse cette coupe, tout ce qui est en dessous, ce n'est que de l'infrastructure. C'est très bien organisé, c'est en parfaite relation avec le dessus, mais ce n'est que de l'infrastructure. Ce que l'on propose, c'est que cette infrastructure devienne architecture. Pourquoi ? Parce que, d'abord, elle coûte cher, ce sont des gros investissements importants. Donc autant dépenser de l'argent, pas seulement pour faire des égouts, mais pour créer des espaces en relation avec les bâtiments. Également, ça permet évidemment d'augmenter la densité de la ville, donc de réduire le périmètre de la ville. Par exemple, à Mexico, je ne connais pas Mexico très bien, mais je suis très impressionné et même un peu choqué par le nombre de bâtiments vacants, abandonnés. C'est incroyable. Donc si on imagine Mexico avec tous ces bâtiments occupés, plus, par exemple, deux niveaux en dessous actifs qui augmentent la densité de la ville, on va réduire la surface de la métropole immédiatement.
C'est mathématique. On va réduire la surface de la métropole. Surtout que tous ces mètres carrés sont des mètres carrés qui coûtent beaucoup d'argent parce qu'ils sont dans la ville. Ils sont déjà là. Parce qu'il y a déjà l'infrastructure. Donc en fait, ce que l'on dit, c'est que ce n'est pas seulement un projet fonctionnel, c'est plutôt un projet politique et géographique. C'est-à-dire, il faut absolument arrêter l'étalement de la ville. Et pour arrêter l'étalement de la ville, il faut créer des racines, s'inscrire plus profondément, de façon à ce qu'on utilise mieux ce qui existe. Donc c'est un projet de durabilité, c'est un projet qui est lié à l'histoire, mais qui est lié à la géographie, qui est lié aussi à une vision d'une ville plus intense, complète, active, et donc une ville, je dirais, où il y a plus d'identité, où l'on se sent plus dans un quartier. Parce que si j'habite quelque part et que l'immeuble ici est vide, celui-ci est vide, celui-ci est vide, celui-ci est vide, j'ai l'impression d'habiter nulle part.